Bonjour et bienvenue dans la suite de ces capsules vidéo sur les jeux du confinement. Alors aujourd'hui on va parler Dark Souls. Alors est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Dark Souls? Je ne crois pas. Dark Souls c'est un peu le jeu de ma vie, hein, on va pas se mentir. C'est un jeu refuge, c'est un peu la Madeleine de Proust, vous voyez. C'est un peu quelque chose qui me rappelle, quand je le touche, ça me rappelle des choses. Ça me rappelle des souvenirs, des sensations étranges. Enfin étranges, rien de sexuel bien sûr, mais tout de même, Dark Souls c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. En tant que joueur, alors pour différentes raisons, on pourrait se dire, mais de nouveau, tu joues à des jeux compliqués, alors t'as un handicap, je comprends pas. Bah, qu'est-ce que tu vas chercher dans ces jeux-là? Et c'est vrai que souvent, je me pose la question, qu'est-ce que je vais chercher dans un jeu comme Dark Souls, qui est un jeu difficile, en tout cas, il était difficile à l'époque où il est sorti, aujourd'hui beaucoup moins, parce que je pense que les gens sont habitués à ce gameplay et savent très bien comment ça marche, et donc sont beaucoup moins surpris. Mais je me souviens des grandes discussions qu'il y avait eu sur le premier gros boss de Dark Souls, les gargouilles par exemple, qui était considéré comme vraiment un boss ultra difficile, etc., et qui était ultra tendu. Et aujourd'hui, vous faites les gargouilles comme si de rien n'était. Même moi, qui suis très mauvais et qui reste très mauvais à ce genre de jeu, je l'ai fait en 2 minutes. Top 1. Donc, c'est ça qui est drôle, c'est que à l'époque, c'était considéré comme un jeu difficile. Aujourd'hui, est-ce que ça l'est encore? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, on est tellement conditionné par ce type de gameplay que je ne pense pas que Dark Souls soit difficile. Malgré tout, de nouveau, pourquoi je suis attiré par ce genre de jeu et pourquoi Dark Souls m'a marqué à ce point-là, c'est parce que je crois que il y a quand même cette idée de dépassement, hein, nouveau comme For Honor. Je pense qu'il y a un thème général à trouver dans les jeux que je présente ici. Toujours l'idée de dépassement, d'être fier d'avoir réussi une situation délicate, un combat difficile ou passer une étape qui était censée être difficile en 5 minutes. Il n'y a rien de plus gratifiant pour l'individu et encore plus pour moi qui ai un handicap et une main et demie pour jouer. Donc c'est encore plus gratifiant pour moi. Et au-delà de ça, il n'y a pas que ça dans Dark Souls. Il n'y a pas que ça qui m'a tant marqué. Il y a aussi sa narration qui passe exclusivement par les objets, les descriptions d'objets, par des boss silencieux mais tellement personnifiés, tellement charismatiques, qu'ils arrivent à faire passer leur souffrance et leur histoire au travers même du combat qu'ils font. C'est-à-dire, ils vont pas prononcer un mot, mais pour moi, les boss de Dark Souls sont parmi les plus marquants que j'ai pu croiser dans mon existence, que ce soit le boss de fin qui pourtant est dans une arène un peu minable, mais il reste ultra marquant par rapport à d'autres jeux où Sif par exemple, qui reste un des boss les plus touchants, qui m'a même fait pleurer à l'époque que je l'ai fait quand je l'ai tué la première fois. C'est pour vous dire, je crois que ça m'est jamais arrivé de pleurer sur un boss, et pourtant c'est un boss, c'est-à-dire un adversaire dans le jeu vidéo, hein, c'est ce qu'on considère comme un adversaire, et ça c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, cette narration, ce monde organique où toutes les zones sont vraiment collées, enfin connectées les unes aux autres, vraiment vous pouvez traverser le monde du jeu sans arrêt, c'est-à-dire vous partez d'un point, vous pouvez le circuler partout où vous voulez, tant que vous avez évidemment débloqué les raccourcis qu'il faut. Mais voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé extrêmement amusant, puisqu'on peut vraiment traverser le monde en 2 minutes, c'est-à-dire se retrouver au sommet du monde et en 2 minutes se retrouver au point le plus bas, quoi. C'est ça qui est très drôle, et c'est ça aussi que j'ai trouvé très marquant dans Dark Souls. Il y a aussi le côté intelligence artificielle un peu stupide, hein, qui fait souvent des trucs un peu débiles, qui tombe dans le vide, qui fait pas du tout ce qu'on attendait, etc., qui est un peu comique parfois. Et donc nombre de fois où j'ai rigolé aussi en jouant à Dark Souls, ça reste des souvenirs mémorables. Et quand je ne vais pas bien, j'ai toujours tendance à y retourner, parce que c'est vraiment une valeur refuge à Dark Souls. J'ai beau l'avoir 15 fois et je suis vraiment pas du genre à faire les jeux plusieurs fois, je le refais toujours avec plaisir, je les refais encore, je le refais encore pour le moment, encore une fois, alors que je viens de le refaire. Enfin, je ne sais pas, c'est de nouveau cette idée qu'il y a toujours du défi, que ce soit maintenant que je connais les situations, aller encore plus vite, plus vite, plus vite. C'est un des rares jeux où j'ai vraiment envie d'essayer de me dépasser, même pour aller plus vite, pour le terminer. D'habitude, je m'en fous de ce genre des chronomètres, etc. Mais c'est un des rares jeux où j'ai envie d'aller plus vite. Alors évidemment, je ne serai jamais un speedrunner, de toute façon, c'est même pas question, j'ai pas les capacités physiques pour faire ça. Mais toujours est-il que c'est un des rares jeux où j'ai vraiment envie de me dépasser, même en l'ayant fini. Et puis, il y a quand même une richesse du craft aussi, qui reste très obscure, hein, mais qui est très intéressant, n'empêche à faire. Avec quand même une fiche de personnage qui est profonde et intéressante à explorer. Ce qu'on regrettera, et c'est peut-être le seul truc qu'on regrette, c'est que la version dite remasterisée est quand même bien pourrie. Alors certes, on remarque des effets de lumière plus élaborés, etc., des textures raffinées, mais globalement, les gens sont peu satisfaits de ce remaster qui a été fait à la truelle. Alors, elle est moins pire que la version PC de base, hein, de Dark Souls, hein, qui avait été faite à la base soi-disant, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, mais soi-disant, la version de base avait été développée parce qu'il y avait une demande réelle de la communauté, et donc From
Software avait lâché le morceau en disant « Bien, puisque vous le demandez tellement fort, on va le faire. » Bon, convaincu que ce soit le cas, mais c'est la légende en tout cas qui veut que la version de base de Dark Souls ait été développée pour cette raison-là. La version remaster est moyennement remasterisée, hein. Et c'est probablement le seul défaut qu'on peut lui donner. C'est vrai que, bon, les Dark Souls suivants, je ne parlerai probablement pas ici parce que les Dark Souls suivants m'ont beaucoup moins marqué en termes de design, etc. Parce que je crois qu'il y avait déjà un phénomène d'habituation, c'est-à-dire que j'étais déjà habitué au design et à la philosophie de Dark Souls. Donc c'est ça qui fait que, par exemple, le 3, qui est excellent, m'a moins marqué. Même si je pense que c'est quand même le deuxième meilleur, là où le 2 est complètement... je pense, avec le recul, on peut le dire, est complètement pourri. Je vais le refaire prochainement pour voir si vraiment il est autant pourri que ça, mais je pense pas que j'aurai le courage d'aller... Enfin, pourri. De nouveau, le mot pourri est peut-être un peu trop fort, mais franchement, le 2 m'a pas laissé de souvenirs particuliers, vraiment. Je crois que je l'ai fini. Je pense que je l'ai fini, mais tellement pathétique, il est tellement secondaire, tellement bas de gamme, comme ça. Enfin, vraiment, on sent que le producteur de Dark Souls 1 et 3 n'était pas son projet, tellement de Dark Souls Z semble avoir été développé par un mec, par le second, quoi, hein, c'est-à-dire le mec en second, là, qui dit, bon, tu nous développes le petit Dark Souls 2, ah oui, comment on fait? Oh, bah, tu suis la formule, et puis on verra ce que ça donne. Bon, globalement, et avec le recul des années, on peut dire que Dark Souls 2 n'a pas reçu l'amour qu'il aurait dû recevoir, mais je vais le retenter, mais tout ça pour dire que mine de rien, Dark Souls reste ma valeur sûre, reste une valeur sûre, et honnêtement, il n'est pas si difficile que ça. Si vous n'avez jamais touché un Dark Souls, je vous conseille quand même, évidemment, si vous n'y avez jamais touché, hein, ce genre, vous allez devoir vous y habituer, mais les Dark Souls, c'est, je crois que c'est ça qui est fort, permettent quand même une certaine personnalisation de l'expérience. Vous pouvez appeler des gens pour vous aider, vous pouvez prendre des bulles pétées ou pas, etc. Et je pense que c'est ça qui fait la force de Dark Souls. Et puis Dark Souls, au-delà du skill, je pense que c'est surtout une question de patience et d'abnégation, et ça, je pense que avec un peu d'entraînement, on peut tous en avoir. Voilà, on peut dire à bientôt, ciao.